Ok, c'est parti. Salut, c'est Taibot et aujourd'hui, pas de chronique. C'est nul! Et oui, j'ai décidé de me lancer dans un nouveau concept un peu différent qui sera plus régulier, plus court, en parallèle de mes trop rares chroniques de films. Et plus régulier parce que, normalement, plus simple à faire. L'idée est très simple, dans ce nouveau format, je vais vous parler de 5 anecdotes, peut-être plus, peut-être moins en fonction de mes envies, et de ce que je trouve, anecdotes concernant des personnalités ou des œuvres du 7e art ou de la série télé. Et ce nouveau concept s'appelle donc Cinecdote. Très bon jeu de mots, Jean-Louis, merci. Jean-Pierre, c'est super, merci. J'aurais pu appeler ça Cinequadon aussi. Bon. Les anecdotes n'ont absolument rien à voir entre elles, c'est un peu fait de manière anarchique. Le tout, c'est qu'elles soient insolites et cocasses. C'est cocasse. Vous êtes prêts? Eh ben c'est parti pour la première. Vous connaissez tous le comédien Michael Douglas, célèbre pour son rôle de Gordon Gekko dans le film Wall Street, qui lui a d'ailleurs valu l'Oscar du meilleur acteur. Mais saviez-vous que le vrai nom de Michael Douglas était en réalité Michael Dembski? C'est une foutaise. En effet, son père, Kirk Douglas, de son vrai nom Issur Danielovitch Dembski, est d'origine russe. Jusqu'ici, rien de surprenant, me direz-vous. Le changement de nom est effectivement une pratique très courante à Hollywood. Tom Cruise, Nicolas Cage, Danny Boone. Mais vous connaissez aussi l'acteur Michael Keaton, célèbre pour son rôle de Bruce Wayne dans le Batman de Burton, ou plus récemment dans le film Birdman d'Alejandro González Iñárritu. Oui, je l'ai dit en entier. Mais saviez-vous que le vrai nom de Michael Keaton était en réalité Michael Douglas? Nom qu'il a dû donc changer car celui-ci était déjà pris par Michael Dembski. Merci qui? Merci qui? Allez, on va passer à la prochaine et cette fois-ci, on va parler de Game of Thrones. Game of Thrones, bitch, Game of Thrones, bitch, Game of Thrones, bitch, Game of Thrones, bitch. Les plus connaisseurs savent déjà que Alfie Allen, l'interprète de Theon Greyjoy dans la série, n'est autre que le petit frère de la chanteuse Lily Allen. De même, Una Chaplin, l'interprète de Talisa Maegir, la femme de Robb Stark, n'est autre que la petite fille de Charlie Chaplin. Ni plus ni moins. Néanmoins, ce ne sont pas les seuls dans la série à être issus d'une famille d'artistes. Saviez-vous par exemple que le comédien Christopher Ivew, je vais l'écrire quelque part parce que je sais pas comment ça se dit, qui joue le personnage de Tormund, le sauvageon comparse de Jon Snow, n'est autre que le cousin germain maternel d'Isabelle Nanty. Oui monsieur. Allez, on passe à la suivante. L'anecdote qui va suivre est relativement connue, mais je pouvais difficilement passer à côté, car elle concerne mon duo de cinéastes préféré. Les frères Cohen aiment s'entourer des mêmes collaborateurs sur la plupart de leurs œuvres. Sachant qu'ils sont eux-mêmes réalisateurs, scénaristes et producteurs de leurs propres films, ils peuvent quand même compter sur une équipe bien solide. Carter Burwell, par exemple, est leur compositeur attitré sur la quasi-totalité de leurs films. Roger Deakins, qui a succédé à ce poste à Barry Sonnenfeld, a quant à lui signé la lumière de la quasi-totalité de leurs longs métrages depuis Barton Fink. Bon, excepté les infidélités commises avec Emmanuel Lubezki pour Burn After Reading et avec Bruno Delbonnel pour Inside Llewyn Davis. Cependant, un autre nom revient souvent dans leur générique, celui de Roderick James, au poste de monteur. Et vous pourrez essayer tant bien que mal de trouver d'autres réalisateurs avec qui James aurait pu collaborer, vous n'en trouverez pas. Et il y a une raison à cela. Roderick James n'existe pas. Les frères Coen gèrent en effet eux-mêmes leur propre montage, ce sobriquet étant juste un nom d'emprunt. La fourberie dut être révélée le jour où ce fameux James fut nommé à l'Oscar du meilleur montage pour Fargo. Réalisateur, producteur, scénariste, monteur, dans ce métier, on appelle ça être multicasquette. Numéro 4. Bonjour, où est-ce une nuit? L'actrice suédoise Noomi Rapace s'est notamment fait connaître avec son rôle de Lisbeth Salander dans la saga Millennium. Ça là. Mais peu de personnes connaissent le comédien Ola Rapace, qui a récemment joué dans la série d'anticipation Section 0 d'Olivier Marshall.
même temps, je suis pas sûr que cette série ait bien marché vu sa qualité. John C. Noumi et Ola ne sont pas frères et sœurs, comme on pourrait s'y attendre, mais mari et femme. Du moins, l'était-il jusqu'en 2010. Noumi aurait-elle gardé le nom de son mari par nostalgie ou habitude? Ou juste parce qu'on la connaît que sous ce nom-là? Eh bien, il n'en est rien, car le nom de famille Rapace n'est ni celui d'Ola, ni celui de Noumi. En effet, le couple d'amoureux a vécu une partie de son idylle à Montpellier, en France donc, où ils ont adopté son nom de famille en référence au majestueux volatile. Vous le saurez maintenant, on ne devrait donc pas prononcer Rapace pour garder la consonance slave et slap Peter Max, mais juste Rapace. Et la petite anecdote amusante qui va bien avec. Je vous ai dit en effet que Ola Rapace était le héros d'une série qui s'appelait Section Zero sur Canal+. Dégage moto, tu la dégages, tu dégages. Section Zero met en scène dans un avenir dystopique le combat d'anciens policiers et de mercenaires contre une grande multinationale devenue souveraine du nom de Prométhée. Or, vous n'êtes pas sans savoir que Noumi Rapace a joué dans le film Prometheus de Ridley Scott. La boucle est bouclée. C'était vraiment très intéressant. On passe à la dernière. What else? On ne présente plus George Clooney, célèbre pour ses rôles dans Ocean's Eleven, Une nuit en enfer, Syriana, Le retour des tomates tueuses, Batman et Robin. Ouais, bon, les deux derniers... Mais avant d'exploser dans le cinéma ou les percolateurs, George Clooney inondait déjà le petit écran grâce à la série Urgence où il interprétait le docteur Degrasse. Ce rôle, qu'il a tenu tout de même pendant 4 saisons, lui a valu une notoriété reconnue par ses pairs, notamment pour son jeu si particulier. Ce qui surprend dans le jeu de Clooney à l'époque, c'est sa façon de se tenir avec ses partenaires à l'écran pendant les scènes de dialogue. En effet, le pédiatre a toujours la fâcheuse tendance de se tenir la tête baissée lorsqu'il communique ses diagnostics à ses collègues. Pour quelle raison, me direz-vous? Eh bien parce que George Clooney est un tricheur. Papa, tu triches? Ah oui, mais j'ai le droit. Le comédien étant incapable de retenir les termes médicaux qu'il devait employer, il avait l'habitude de les noter sur ses mains. Fuck you, that's my name. Cependant, cette posture si particulière et cet air nonchalant deviendront la marque de fabrique du comédien le plus classe d'Hollywood. Comme quoi, le manque de mémoire, ça paye. Diable, on est fait comme des rats. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode de Cinecdote. J'espère pouvoir en faire un numéro 2 d'ici peu de temps, ou alors une nouvelle chronique. En tout cas, si ce nouveau concept vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à vous abonner. Et moi, d'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique ou un nouveau Cinecdote. Je sais pas, on sait plus. Waouh. Et d'ici là, je vous dis à une prochaine et bonne continuation.